m'a dit que ça devenait sérieux avec Alice. On peut rien lui confier. Vous allez vous fiancer. Oui, 10e étage, appartement 101, la porte sera ouverte. Ah, juste à temps. Épuisé. Tu nous fais un thé? Oui. Bonjour. Léo? Julia? Qu'est-ce que tu fais là? J'apporte les chaussures. Mes chaussures. Merci, posez-les là. Vous vous connaissez? On était ensemble au collège. C'est ouf. Ça fait plaisir de te voir. Apolline. Enchantée. Léo, enchantée. On allait boire un verre, justement. Viens avec nous. Ah bon? Mais ils doivent encore avoir du travail. Non? T'inquiète, j'ai quasi fini. Je peux m'arranger. J'aime ton petit air, j'aime tes bonnes manières. Je ne suis pas une simple ni touchée. J'aime ton petit minois, j'aime quand je monte sur toi. J'aime tes jambes à mon cou, j'aime tes fesses en dessus dessous. Attention, vous devenez vulgaire. J'aime quand tu me touches, j'aime quand ta bouche. J'aime quand tu souris, j'aime quand tu me donnes envie. Il ira parfaitement ici. Seulement, insiste bien qu'on te l'installe pas trop bas, hein, ce sera beaucoup mieux. Je suis sûr que Léo fera ça très bien. Qui ça? Léo. Tu continues de le voir? Raconte. C'est un ancien ami de Julien. Ça fait un moment que je le fréquente plus. Il est très gentil. Il est coursier. Vous habitiez dans le même immeuble, non? Comme quoi tout arrive. Comment ça? C'est lui. Entre! Tu m'avais rien dit. J'en sais pas beaucoup plus que toi. Il a l'air de lui plaire. Tu trouves pas? Bonjour. Marie. Léo. Salut. Bonjour Léo. Tiens, donne. Je te débarrasse. Justement, on parlait de toi. Ah. C'est plutôt séduisant. Je te sers un verre de Bellini. De quoi? De Bellini. Ouais, très bien, merci. Debout, c'est à peine si j'ose. Bouger au milieu de tes choses. Il m'observe comme une adversaire. Il sera digne des plus grands corsaires. Mais voilà que ses rideaux veulent me faire la peau. Et le plus malotru, c'est celui bien moelleux, complice de Morphée, te permet de rêver, cache le monde à tes yeux.
tu. Ma seule grasse mat de la semaine. Tu ne penses qu'à dormir. Pas étonnant que t'habites dans une grotte. Moi, je l'aime beaucoup, cette grotte. Je m'y sens bien. Parfois, je le comprends pas, il se vexe pour un rien. Ah oui? Mais par exemple, je lui ai acheté une paire de chaussures, je pensais lui faire plaisir, mais je me suis bien trompée, il les a même pas portées une seule fois. Il a peut-être rien pour aller avec. Mais je lui ai acheté des chemises aussi, il les porte pas non plus. Ça lui plaît peut-être pas. Bah, c'est moi qui les ai choisies. Et puis quand il rentre de son travail, j'ai l'impression que c'est contre moi qu'il est énervé. Oh, il espérait peut-être que tu lui trouves autre chose. Mais non. Tu penses réellement qu'il... Non, j'ai dit ça comme ça. Je vais ouvrir. Tu vas te changer, ils arrivent. Non, c'est bon. Mais au moins une chemise. Non, je suis bien comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et si tu faisais un effort aussi? Ah, c'est bon, tu vas pas encore me saouler avec mes fringues. Mais je te parle pas de tes fringues! Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va tout apporter sur un plateau? Quoi? Répète, j'ai pas bien compris. Tu vois même pas que j'ai des sentiments pour toi. Putain! Tu vois, on peut même pas discuter. Fais comme tu veux, moi je compte bien profiter de ma fête. Qu'est-ce que tu veux, je pars. Je ne peux plus, je ne peux pas. J'aurais couru contre le vent pour toi, nager à contre-courant pour toi. Je pars, je ne veux plus, je ne veux pas. Je gravirai des montagnes pour toi.
supplierai pas. Reste avec moi. Je ne céderai pas. Mais. Ne me quitte pas. Je ne peux plus, je ne peux pas. Mm-hmm.